السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم تشاهدون قناة فرنسا افيك لبنان لتعليم الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. حصة اليوم خاصة بتعليم الفرنسية من خلال القصص. اخترت لكم قصة بعنوان ميزول وصفا. ميزول وصفا. إذن كالعادة في البداية سأقرأ لكم القصة بدون ترجمة، هكذا ستتعرفون على مدى فهمكم للقصة، وفي الأخير سأعيد قراءتها مرة أخرى مع الترجمة. فقط ملاحظة لمن أراد أن يتعرف على مستوى الفرنسية لديه، هذه القصة أسلوبها صراحة بسيط، فمن فهم القصة بأكملها بجملها تعابيرها كلماتها فهذا يعني أن مستواه متوسط، من فهم أكثر من النصف هذا يعني أن مستواه في طور الوصول إلى المستوى المتوسط، أما من فهم أقل من النصف فهو من المبتدئين مستوى ثاني، ومن لم يفهم شيئا أو فهم فقط بعض الكلمات البسيطة فهذا يعني أنه من المبتدئين مستوى أول. إذن لنبدأ على بركة الله. ميزول وصفا. ميزول est un petit martien. Il vient de la planète Mars. Il a une amie sur la Terre, Safa. Safa habite dans un village. Ses parents ont une maison avec un jardin. De temps en temps, quand Mizoul a fini son travail, il fait un voyage vers la terre pour voir son ami. Une fois, Mizoul avait dit à Safa, « Chez nous, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de feuilles qui s'envolent. Il y a seulement du métal et de la lumière blanche. » Sur Mars, le temps a passé depuis la dernière visite de Mizoul à son ami Safa. Maintenant, Mizoul est prêt pour un voyage vers la Terre. Il doit se poser au même endroit que la première fois. La Terre se rapproche. Elle est comme une bille dans l'espace. Puis, elle grossit, grossit. Plus vite, encore plus vite. Voilà la montagne, la plaine et enfin le bois. La soucoupe se pose doucement. Bonjour la terre. Oh, mais les arbres ne sont plus les mêmes. Ils sont noirs et tristes. Où est la belle herbe verte? Qu'est-ce que c'est que cette chose blanche et froide? Il regarde sa carte, refait ses mesures. Non, je ne me suis pas trompé, c'est bien là. Attendant le jour et dormant un peu. Il est 9h du matin. Mizoul se réveille. Le soleil brille dans un ciel clair, mais les arbres sont toujours noirs et la terre aussi blanche et brillante que le sol de Mars. Bon, je vais voir. Il dit quelques mots et le voilà qui se transforme. Il est maintenant un jeune habitant de la Terre. En route, je vais d'abord chercher la maison de Safa. Il marche, la neige recouvre le chemin et Mizoul se perd. Enfin, il arrive au village. Des dames font leur marché. Je vais demander à une dame. Pardon, madame, je cherche une maison. Quelle maison? Une maison blanche. Comment? Autour de la maison, il y a un jardin. Un jardin avec des roses. Vous cherchez un jardin avec des roses en cette saison? Oui. Ah, ah, mais enfin, jeune homme,
D'où venez-vous? De la Lune? Non, non, pas exactement. De la Chine? Oui, c'est ça, madame, de la Chine. En Chine, il y a toujours des roses. Ah bon? Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Je cherche une amie, Safa. Moi, je connais 3 ou 4 Safa. La fille de l'épicier, le bébé du facteur, la fille de l'ingénieur. C'est peut-être celle-là. Alors, vous voyez, elle habite là-bas, à la sortie du village. Ils ont un jardin, mais pas de roses. Oh non, pas de roses en cette saison. Merci beaucoup, madame. Comme c'est difficile de comprendre la terre. Mizoul a enfin trouvé la maison de Safa. Il a regardé longtemps le jardin tout blanc et les rosiers noirs. Par la fenêtre, il voit Safa qui mange et maman qui se penche vers elle. Comment faire pour leur parler? Mais voici un garçon qui arrive. Il entre dans le jardin. Il va sonner à la porte. Alors, Mizoul s'approche de lui, le touche légèrement du doigt. Le garçon ferme les yeux et attend. Mizoul dit tout doucement. « Comment t'appelles-tu ?»« Aziz. »« Va vite chez toi !» Le garçon ne peut dire non à cette voix qu'il n'a jamais entendue. Aziz fait demi-tour et s'en va. Mizoul se transforme. Il n'est plus Mizoul. Il est Aziz. Il sonne à la porte. Safa vient ouvrir. Ah, bonjour Aziz. Comment va ta sœur? Très bien, merci madame. Maman a l'air tout étonnée. Comment très bien? Elle était malade ce matin. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Safa s'approche et dit. Alors Aziz, tu me l'as apporté? Quoi? Vite, dis-moi! Ne fais pas l'idiot. Oui, je l'ai chez moi, mais je n'ai pas pu la porter tout de suite. Oh, ça ne fait rien. Tu as fait tes devoirs? Oui, moi je ne sais pas faire mon problème. Fais voir. Mais tu ne sauras pas. Fais voir quand même, ça m'amuse. Mizoul se penche sur le cahier de Safa. Mais ton problème est fait, regarde. Ne te moque pas de moi. Mais regarde, c'est ton écriture. Ça alors? Je dois travailler la nuit en rêve. Et je suis très forte. Mizoul reprend sa forme. Ah, c'est toi? Oh, que je suis contente! Mizoul lui tend la main. Elle s'endort. Plus tard, Safa se réveille. Mizoul est parti. Mais il lui a laissé une belle bague sur la petite table avec un petit mot. Ce soir, papa et maman ont des invités. Souad, Karima, Jalal, l'ingénieur, Saad, le géologue, le professeur, l'avocat et d'autres encore. Tout le monde parle. Oh, comme les grandes personnes sont bavardes. Safa a mangé des gâteaux roses, verts, bleus, puis elle est allée dans sa chambre. La voilà qui revient en courant. Maman, regarde, c'est pour toi. Elle lui donne la bague de Mizoul et le petit mot. Maman ouvre de grands yeux.
Tout le monde s'approche d'elle. La pierre ressemble à une étoile bleue. Voyons, nous ne rêvons pas? Non, non, nous ne rêvons pas. Papa prend le papier où Mizou l'a écrit « Pour vous, maman ». Est-ce toi, Safa, qui a écrit cela? Oh non, je n'écris pas comme cela. Mais c'est vrai, ce n'est pas ton écriture. Chaque lettre est un dessin que je ne connais pas. Oui, celle-ci ressemble à un serpent. Celle-là a une flèche. Celle-là a un dindon. Et pourtant, nous comprenons cette lettre, n'est-ce pas? Que lisez-vous? Faites voir, faites voir, faites voir. Nous lisons « Pour vous, maman, Mizoul ». Connaissez-vous quelqu'un de ce nom? Non, non. C'est un nom bizarre. Mais comment cet homme est-il entré chez vous? C'est vrai. Comment est-il entré? Je n'ai vu personne. Quand je suis allée faire des courses avec Safa, j'ai fermé la porte à clé. Mais je ne suis pas allée faire des courses, maman. Voyons, Safa, rappelle-toi. Ça ne fait rien. Revenons à la pierre et à la lettre. Oui, faites attention. Moi, j'ai peur de cette pierre. Papa sourit. Il prend la pierre qui brille de mille feux, puis il la donne à Sad, le géologue. Tenez, regardez comme elle est belle. On dirait un diamant bleu. Que se passe-t-il? Dans la main de Sad, la pierre s'éteint. Elle devient noire et froide comme une étoile morte. Oh, oh, vous voyez, c'est un morceau de charbon. Quelqu'un se moque de nous, n'est-ce pas, ma fille? Est-ce que je peux prendre le morceau de charbon? Elle prend la pierre et aussitôt, elle brille à nouveau de mille feux. Oh! C'est trop fort! On se moque de nous dans cette maison. Mais non, il y a parfois des choses que l'on ne comprend pas. Moi, je m'amuse beaucoup. C'est une soirée merveilleuse, c'est vrai. Allons, buvons le thé et oublions cet inconnu. Mettons un peu de musique. Safa vient s'asseoir à côté de sa mère et lui dit à l'oreille « Quelqu'un est allé te cueillir une étoile, chère maman. » Et toutes deux se regardent en souriant. C'est la fin de l'histoire. إذا الآن سوف نقرأها مرة أخرى لكن هذه المرة مع الترجمة. ميزول و صفا. ميزول و صفا. ميزول est un petit martien. ميزول هو مريخي صغير. Il vient de la planète Mars. جاء من كوكب المريخ. Il a une amie sur la Terre, صفا. عنده صديقة في كوكب الأرض اسمها صفا. صفا habite dans un village. صفا تسكن في قرية. Ses parents ont une maison avec un jardin. أبواها لديهما منزل فيه حديقة. De temps en temps, من الوقت للآخر, quand Mizoul a fini son travail, عندما ينتهي ميزول من عمله, il fait un voyage vers la terre, يقوم برحلة إلى الأرض pour voir son ami, ليرى صديقته. Une fois, في مرة, ميزول avait dit à صفاء, ميزول قال لصفاء, chez nous, عندنا, il n'y a pas d'horloge, لا توجد ساعات. Il n'y a pas de pluie, la yujadu matar. Il n'y a pas de feuilles qui s'envolent, la tujadu awraq tuhallaq ou tatatayar.
Il y a seulement du métal. هناك فقط معدن. Et de la lumière blanche. وضوء أبيض. Sur Mars, على كوكب المريخ, le temps a passé depuis la dernière visite. لقد مر الوقت منذ الزيارة الأخيرة de Mizul à son ami Safa. Les Mizul, لصديقته صفاء. Maintenant, Mizul est prêt pour un voyage vers la Terre. الآن Mizul جاهز لرحلة نحو الأرض. Il doit se poser au même endroit que la première fois. عليه أن ينزل في نفس المكان المرة الأولى. La Terre se rapproche. الأرض تقترب. Elle est comme une bille dans l'espace. تشبه كلة في الفضاء, يعني كرة صغيرة. Puis elle grossit. ثم تكبر. Grossit, تكبر. Plus vite, encore plus vite. بسرعة, بسرعة أكثر. Voilà la montagne. ها هو الجبل. La plaine. السهل. Et enfin le bois. وأخيرا الغابة. La soucoupe se pose doucement. الصحن الفضائي ينزل أو يهبط بهدوء. Bonjour la Terre. مرحبا كوكب الأرض. Oh, mais les arbres ne sont plus les mêmes. ولكن الأشجار لم تعد كما هي. Ils sont noirs et tristes. إنها سوداء وحزينة. Où est la belle herbe verte? أين هو العشب الأخضر الجميل؟ Qu'est-ce que c'est que cette chose blanche et froide? ما هذا الشيء الأبيض والبارد؟ Il regarde sa carte, نظر إلى خريطته, refait ses mesures. يتحقق من الأمر, يعيد حساباته. Non, je ne me suis pas trompé. لا, أنا لم أكن مخطئا. C'est bien là. هذا هو المكان. Attendons le jour. لننتظر الصباح. Et dormons un peu. وننام قليلا. Il est 9h du matin. إنها التاسعة صباحا. Mizul se réveille. Mizul استيقظ من النوم. Le soleil brille dans le ciel clair. الشمس تلمع في سماء صافية. Mais les arbres sont toujours noirs. لكن الأشجار لا زالت سوداء. Et la terre aussi blanche et brillante que le sol de Mars. والأرض بيضاء ولامعة كأرض المريخ. Bon, je vais voir. حسنا, سوف أرى. Il dit quelques mots et le voilà qui se transforme. قال بعض الكلمات وها هو يتحول. Il est maintenant un jeune habitant de la Terre. الآن هو شاب من سكان الأرض. En route, je vais d'abord chercher la maison de Safa. هيا بنا, سوف أبحث أولا عن منزل صفا. Il marche, يمشي, يمشي. La neige recouvre le chemin. الثلج يغطي الطريق. Et Mizul se perd. ومزول تاه, تاه. Enfin, il arrive au village. Des dames font leur marché. وأخيرا وصل إلى القرية. سيدات يتسوقن. Je vais demander à une dame. سوف أذهب لأسأل أحد السيدات. Pardon, madame. عفوا سيدتي. Je cherche une maison. أبحث عن منزل. Quelle maison? أي منزل؟ Une maison blanche. منزل أبيض. Comment? كيف؟ Autour de la maison, حول المنزل, il y a un jardin. هناك حديقة. Un jardin avec des roses. حديقة بها ورود.
Vous cherchez un jardin avec des roses en cette saison? أتبحث عن حديقة بها ورود في هذا الفصل؟ Oui, نعم. Ah, mais enfin, jeune homme, d'où venez-vous? ولكن أيها الشاب, من أين جئت؟ De la lune? من القمر؟ Non, non, pas exactement. Là, là, ليس تماما. De la Chine? من الصين؟ Oui, c'est ça, madame, de la Chine. نعم, هذا سيدتي, من الصين. En Chine, il y a toujours des roses. في الصين, هناك دائما ورود. Ah bon, حقا? Et qu'est-ce que vous venez faire ici? وماذا جئت تفعل هنا? Je cherche une amie, Safa. أبحث عن صديقة, Safa. Moi, je connais trois ou quatre Safa. أنا أعرف ثلاثة أو أربعة صفا. La fille de l'épicier, بنت البقال. Le bébé du facteur. رضيع, رضيعة, يعني le bébé لازال رضيعا. Le bébé, ابنة الفاكتور, ساعي البريد. La fille de l'ingénieur, ابنة المهندس. C'est peut-être celle-là. ربما هذه هي. Alors, vous voyez, elle habite là-bas à la sortie du village. إذن أترى إنها تسكن هناك في آخر القرية, يعني في مخرج القرية. Ils ont un jardin, mais pas de roses. عندهم حديقة, لكن ليس بها ورود. Oh non, pas de roses en cette saison. Là, لا توجد ورود في هذا الفصل. Merci beaucoup, madame. شكرا جزيلا سيدتي. Comme c'est difficile de comprendre la terre. كم هو صعب أن نفهم الأرض. Mizoul a enfin trouvé la maison de Safa. وأخيرا Mizoul وجد منزل صفا. Il a regardé longtemps le jardin tout blanc et les rosiers noirs. شاهد مطولا الحديقة البيضاء والورود السوداء, يعني الأغصان الورود السوداء. Par la fenêtre, عبر النافذة, il voit Safa qui mange, رأى صفا تأكل, et maman qui se penche vers elle, وأمها التي تتجه نحوها. Comment faire pour leur parler? كيف سأفعل لكي أكلمهما؟ Mais voici un garçon qui arrive. ولكن ها هو صبي قادم. Il entre dans le jardin. دخل إلى الحديقة. Il va sonner à la porte. ذهب ليقرع جرس الباب. Alors Mizoul s'approche de lui. Mizoul اقترب منه. Le touche légèrement du doigt. لمسه لمسة خفيفة بأصبعه. Le garçon ferme les yeux et attend. الصبي أغلق عينيه وانتظر. Mizoul dit tout doucement. Mizoul قال بهدوء. Comment t'appelles-tu? ما اسمك? عزيز. عزيز. Va vite chez toi. اذهب بسرعة إلى منزلك. Le garçon ne peut dire non à cette voix. الصبي لم يستطع قول لا لهذا الصوت qu'il n'a jamais entendu. الذي لم يسمعه أبدا من قبل. عزيز fait demi-tour et s'en va. عزيز استدار وابتعد أو غادر المكان. Mizoul se transforme. Mizoul tahawala. Il n'est plus Mizoul. Huwa lam ya'ud Mizoul. Il est Aziz. Innahu Aziz. Il sonne à la porte. Qara' al-bab. Safa vient ouvrir. Safa fatahat al-bab. Ah, bonjour Aziz. Marhaban Aziz. Comment va ta sœur?
كيف حال أختك؟ Très bien, merci madame. جيد جدا, شكرا سيدتي. Maman a l'air tout étonnée. الأم تبدو مندهشة جدا. Comment très bien? كيف جيد جدا؟ Elle était malade ce matin. كانت مريضة هذا الصباح. Oui, c'est vrai. نعم, هذا صحيح. J'avais oublié. لقد نسيت. صفا s'approche et dit. صفا اقتربت وقالت. Alors, Aziz, tu me l'as apporté? Aziz, هل جلبته لي? Quoi? ماذا? Vite, dis-moi. بسرعة, قل لي. Ne fais pas l'idiot. لا تكن سخيفا. Oui, oui, je l'ai chez moi. نعم, نعم, إنه عندي في المنزل. Mais je n'ai pas pu l'apporter. لكنني لم أستطع إحضاره. Tout de suite, فورا, لم أستطع إحضاره فورا. Ah, ça ne fait rien. Ah, لا مشكل. Tu as fait tes devoirs? هل أنجزت واجباتك؟ Oui, نعم. Moi, je ne sais pas faire mon problème. أنا لم أعرف أن أحل واجبي. Fais voir, دعيني أرى. Mais tu ne sauras pas. لكنك لن تعرف. Fais voir quand même. دعيني أرى على أي حال. Ça m'amuse. يسعدني. Mizoul se penche sur le cahier de Safa. Mizoul انحنى ينظر في دفتر صفا. Mais ton problème est fait. لكن واجبك أنجز. Regarde, انظري. Ne te moque pas de moi. لا تسخر مني. Mais regarde, c'est ton écriture. ولكن انظري, هذا خطك. Ça alors, يا للهول. Je dois travailler la nuit en rêve. لابد أني عملت ذلك ليلا وأنا أحلم. Et je suis très forte. وأنا بارعة للغاية. Mizoul reprend sa forme. Mizoul استعاد شكله. Ah, c'est toi? إنه أنت. Oh, que je suis contente. كم أنا سعيدة. Mizoul lui tend la main. Mizoul مد له لها يده. Elle s'endort. ونامت. Plus tard, لاحقا, Safa se réveille. Safa استيقظت. Mizoul est parti. Mizoul غادر. Mais il lui a laissé une belle bague sur la petite table avec un petit mot. لكنه ترك لها خاتما جميلا فوق الطاولة الصغيرة مع un petit mot, رسالة قصيرة. Ce soir, papa et maman ont des invités. هذا المساء الأب والأم لديهم ضيوفا. سعاد, كريمة, جلال الانجنيور, جلال المهندس, سعد الجيولوج, سعد العالم الجيولوجي, le professeur, الأستاذ, l'avocat, المحامي, et d'autres encore, وآخرون أيضا. Tout le monde parle. الكل يتحدث. Ah, comme les grandes personnes sont bavardes. كم هم الأشخاص الكبار ثرثارون. Safa a mangé des gâteaux roses. Safa أكلت كعكا ورديا, vert, أخضر, bleu, أزرق, puis elle est allée dans sa chambre. ثم ذهبت إلى غرفتها. La voilà qui revient en courant. ها هي تعود راكضة. Maman, regarde, c'est pour toi. Maman, انظري, إنه لك. Elle lui donne la bague de Mizoul. أعطتها خاتم ميزول et le petit mot, والرسالة القصيرة. Maman ouvre de grands yeux.
الأم فتحت عينيها من الدهشة. Tout le monde s'approche d'elle. الكل اقترب منها. La pierre ressemble à une étoile bleue. الحجرة تشبه نجمة زرقاء. Voyons, nous ne rêvons pas? بالله عليكم ألا نحلم؟ Non, nous ne rêvons pas. Là, نحن لا نحلم. Papa prend le papier où Mizoul a écrit. الأب أخذ الورقة حيث كتب ميزول. Pour vous, maman. لأجلك أمي. Est-ce toi, Safa, qui a écrit cela? هل أنت صفاء من كتب هذا؟ Oh non, je n'écris pas comme cela. Là, أنا لا أكتب هكذا. Mais c'est vrai, ce n'est pas ton écriture. ولكن هذا صحيح. هذا ليس خطك. Chaque lettre est un dessin que je ne connais pas. كل حرف هو رسم أنا لا أعرفه. Oui, نعم. Celle-ci ressemble à un serpent. هذه تشبه ثعبان. Celle-là a une flèche. وهذه سهم. Celle-là a un dindon. وهذه ديكون رومي. Et pourtant, nous comprenons cette lettre, n'est-ce pas? ومع ذلك نحن نفهم هذه الرسالة. أليس كذلك؟ Que lisez-vous? ماذا تقرؤون؟ Faites voir, دعني أرى. Faites voir, دعني أرى. Nous lisons, نحن نقرأ. Pour vous, maman. لأجلك أمي. ميزول. Connaissez-vous quelqu'un de ce nom? أتعرفون أحدا بهذا الاسم؟ Non, là. C'est un nom bizarre. هذا اسم غريب. Mais comment cet homme est-il entré chez vous? لكن كيف دخل هذا الرجل عندكم؟ C'est vrai. هذا صحيح. Comment est-il entré? كيف دخل؟ Je n'ai vu personne. أنا لم أرى أحدا. Quand je suis allé faire des courses avec Safa, عندما ذهبت للتسوق مع صفا, j'ai fermé la porte à clé. أغلقت الباب جيدا. أغلقت الباب بالمفتاح. Mais je ne suis pas allé faire des courses, maman. لكني لم أذهب للتسوق أمي. Voyons, Safa, rappelle-toi. ماذا تقولين؟ تذكري. Ça ne fait rien. لا بأس. Revenons à la pierre et à la lettre. لنعود إلى الحجرة والرسالة. Oui, faites attention. نعم, انتبهوا. Moi, j'ai peur de cette pierre. أنا خائفة من هذا الحجر. Papa sourit. Papa ابتسم. Il prend la pierre, أخذ الحجر, qui brille de mille feux, الذي يلمع بشدة. Puis, il la donne à Saad. ثم أعطاه إلى سعد الجيولوج العالم الجيولوجي. تني خد. Regardez comme elle est belle. انظر كم هي جميلة. On dirait un diamant bleu. وكأنها ماسة زرقاء. Que se passe-t-il? ما الذي حدث؟ Dans la main de سعد. في يد سعد. La pierre s'éteint. الحجر انطفأ. Elle devient noire. أصبح أسودا. Et froide comme une étoile morte. وباردا كنجم ميت. ها vous voyez, c'est un morceau de charbon. أترون إنه قطعة من الفحم. Quelqu'un se moque de nous. أحدهم يسخر منا. N'est-ce pas ma fille? أليس كذلك ابنتي؟ Est-ce que je peux prendre le morceau de charbon? هل أستطيع أخذ قطعة الفحم؟ Elle prend la pierre, أخذت الحجر, et aussitôt, وفورا, elle brille à nouveau de mille feux. لمع مرة أخرى, لمع من جديد بشدة. Oh! C'est trop fort. هذا مزعج جدا. On se moque de nous dans cette maison.
إنهم يسخرون منا في هذا المنزل. Mais non, ولكن لا. Il y a parfois des choses que l'on ne comprend pas. في بعض الأحيان هناك أشياء لا نفهمها. Moi, je m'amuse beaucoup. أنا أستمتع كثيرا. C'est une soirée merveilleuse. إنها أمسية رائعة. C'est vrai. هذا صحيح. Allons, buvons le thé et oublions cet inconnu. لنذهب ونشرب الشاي وننسى هذا المجهول. Mettons un peu de musique. لنضع بعض الموسيقى. Safa vient s'asseoir à côté de sa mère. Safa جاءت تجلس بقرب أمها et lui dit à l'oreille. وقالت لها في أذنها. Quelqu'un est allé te cueillir une étoile. أحدهم ذهب ليلتقط لك نجمة. Chère maman, أمي العزيزة. Et toutes deux se regardent en souriant. ونظرت كل واحدة للأخرى وهي تبتسم. إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.